publié le jeudi 5 avril 2018 à 7h50 par Laura Abuis dans La guerre qui oppose Laetitia Hallyday à ses beaux enfants Laura et David, la veuve de Johnny peut compter sur le soutien sans faille de sa grand-mère Eliette Boudou, tendrement surnommée Mamie Rock par le chanteur disparu le 5 décembre dernier, elle est immédiatement montée au créneau pour défendre sa petite fille traînée en justice par les premiers enfants du rocker qui contestent le testament de leur défunt père, d'abord par une petite phrase glissée dans l'interphone puis dans une interview où elle déclarait à nouveau que Laura Smet et David Hallyday avaient déjà eu beaucoup de choses. Héritage de Johnny Hallyday, Mamie Rock, la grand-mère de Laetitia, cible de nombreuses attaques nommées à la tête de plusieurs sociétés de Johnny Hallyday à la demande de ce dernier, celle qui affirme n'avoir jamais encaissé 20 sous pourrait-elle aussi être inquiétée par la justice pour avoir servi de prête-nom, très affectée par toute cette affaire. Eliette Boudou vit désormais terrée chez elle à Marseillan et ne s'autorise que de rares sorties au supermarché selon les habitants de ce village du sud de la France attaché à la famille de Laetitia Hallyday. Si elle n'a plus le droit de s'exprimer à la presse, Mamie Rock a accepté d'être suivie par les caméras de complément d'enquête qui s'intéressent à la guerre de succession de l'idole des jeunes. Vidéo héritage de Johnny Hallyday. Selon l'avocate de David Hallyday, Laetitia est bien celle qui contrôle tout. C'est étonnant parce qu'on nous parle d'un prête-nom sur les sociétés, mais on ne découvre pas un ogre, mais une petite mamie un peu fatiguée, éprouvée, a confié à Midi Libre Thomas Soto, le présentateur de l'émission. Dans un extrait publié sur Twitter, on peut voir cette grand-mère âgée de 82 ans sortir de l'église et faire ses courses dans les commerces du village, toujours accueillie chaleureusement par les Marseillantais qui lui apportent leur soutien. Malgré l'interdiction de son avocat, Eliette Boudou n'a pu s'empêcher de dire quelques mots à la journaliste qui l'accompagne. « Ils ont eu leur part déjà », dit-elle en parlant de Laura et David. Puis au moment d'évoquer Johnny Hallyday et sa petite fille Laetitia, l'émotion monte. C'était un homme exceptionnel et ma petite fille aussi. Qu'est-ce qu'elle a bien soigné. Il n'y avait que Johnny qui comptait, raconte-t-elle de trémolo dans la voix. Ce n'est pas une petite fille, c'est un ange. Je dis toujours que le bon Dieu m'a envoyé beaucoup de malheur, mais il m'a laissé un ange sur cette terre et c'est Laetitia. Un nouveau témoignage d'amour, mais qui fera sans doute du bien à la veuve de Johnny en attendant le premier épilogue de cette longue bataille judiciaire qui ne fait que commencer. Eliette Boudou alias Mamie Rock. Une mamie gâteau et bavarde bourse chérie, j'ai déshérité les gosses télévision. Dièse CD enquête jeudi 22h55 pic.twitter.com/k847i6pax. Complément d'enquête @CD enquête. April 4, 2018 mots-clés, grand-mère héritage et testamente complément d'enquête.